Bonjour à toutes et à tous, vous avez aimé Scribamousse, vous allez adorer Grappe Semaine. Nous vous invitons à nous retrouver pour notre première saison d'atelier d'écriture en grec ancien. Je suis moi-même Adrien Bresson, professeur agrégé de lettres classiques. J'animerai cet atelier en collaboration avec Sandrine Coin-Longeret, maîtresse de conférences en linguistiques anciennes à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et nous travaillerons avec des étudiants des universités de Lyon, de Toulouse et de Paris. Je laisse Armand Naudin vous présenter plus avant le sujet sur lequel nous allons écrire pour l'année à venir. Pour la première saison de notre atelier d'écriture en grec ancien, quoi de mieux comme thématique que de retourner aux fondamentaux de la littérature grecque? C'est en effet dans le monde homérique que nous allons plonger cette année, aux côtés de l'un des plus fameux duos de la mythologie grecque, Achille et Patrocle. Qui ne connaît pas le divin Achille? Achille au pied léger, le Péléide meurtrier d'Hector. Mais dans l'ombre de ce héros se cache une autre figure mythique, tout aussi importante et valeureuse durant la guerre de Troie, mais cependant moins connue, à savoir Patrocle, fils de Ménoétios, le roi d'Oponte. Et c'est l'histoire de ce héros que nous allons aborder cette saison en nous focalisant sur son enfance et sur la relation qui l'unit à Achille. Une relation qui a beaucoup intéressé, dès l'Antiquité, nombre d'auteurs grecs et latins, comme nous allons l'entrevoir au cours de l'atelier. Cette année, notre atelier d'écriture sera à niveau débutant afin que toutes et tous vous puissiez apprendre ou réapprendre le grec avec nous. Il y aura également des contenus grammaticaux, lexicaux, historiques ou civilisationnels qui viendront compléter l'approche. Nous vous invitons à nous retrouver au cours de notre première séance qui aura lieu le mercredi 25 septembre à 14h. En ligne, vous pourrez retrouver des informations complémentaires sur le site de la Vie des Classiques, sur la chaîne YouTube de la Vie des Classiques, mais également sur les réseaux de la Vie des Classiques, sur Twitter, Facebook ou Instagram. Nous vous disons à très bientôt et espérons vous retrouver nombreuses et nombreux en live dans le cadre de notre première séance prochaine.